Le président de la République a ouvert ce matin le premier séminaire gouvernemental de l'année 2014. Alassane Ouattara a invité le Premier ministre et tous les membres du gouvernement à maintenir le cap, la priorité de l'action gouvernementale à consacrer aux attentes de la population. Combien sommes-nous en Côte d'Ivoire? La réponse dans 2 mois pour l'instant. Les agents recenseurs sont sur le terrain. Ils ont reçu l'équipement nécessaire pour accomplir leur mission auprès de la population. Toujours pas de remède contre la fièvre Ebola. 10 jours après l'annonce officielle de l'épidémie, le président guinéen est sorti de son silence. Alpha Condé a présenté ses condoléances aux familles et demande à la population de ne pas paniquer. La France a un nouveau Premier ministre, il s'agit d'Emmanuel Valls, il est un ministre de l'Intérieur. Il succède à Jean-Marc Ayrault, un changement qui intervient au lendemain de la déroute des socialistes aux élections municipales. Ce sont les principaux titres de ce 20h. Bonsoir, bienvenue à cette demi-heure d'information dans ce 20h. Comme tous les lundis, vous aurez le grand format de la rédaction, grand format consacré aujourd'hui au processus de fabrication et de commercialisation du beurre de karité, un secteur d'activité rentable aujourd'hui confronté à un certain nombre de difficultés. Le grand format de la rédaction, c'est dans une vingtaine de minutes. Commençons par le palais présidentiel où le chef de l'État a ouvert ce matin le premier séminaire gouvernemental de l'année 2014. Le compte-rendu de la direction des reportages institutionnels avec Awa Touré. Il s'agit pour le gouvernement de dresser le bilan des activités menées en 2013 et d'adopter le programme de travail gouvernemental 2014 afin d'imprimer une dynamique nouvelle à l'action gouvernementale. Pour 2014, le gouvernement veut ainsi se donner une boussole pour mieux cadrer les démarches à entreprendre. Le programme de travail gouvernemental 2014 qui intervient ainsi à 1 an de la fin de votre actuel mandat se doit, plus qu'au cours des années antérieures, d'être un baromètre non seulement de l'effort déjà accompli, mais également des initiatives et des engagements à prendre. En tant qu'outil d'orientation et de bonne gouvernance, le PTG est à la fois un thermomètre pour apprécier le rendement des programmes et projets initiés en 2013, mais aussi et surtout une boussole pour mieux cadrer la démarche à entreprendre en 2014 en vue d'atteindre l'objectif de croissance économique et développement humain qui vous plaira de nous fixer. Le président de la République, Alassane Ouattara, se réjouit de la tenue de ce séminaire d'évaluation qui va permettre au gouvernement de se doter d'un outil de prévision et surtout d'un plan d'action cohérent pour mieux bâtir le futur. Nous devons en effet tout mettre en œuvre pour satisfaire les besoins pressants de nos populations en vue d'améliorer leur bien-être. Je félicite tout particulièrement vous, Monsieur le Premier ministre, pour la conduite et la coordination efficiente de l'action gouvernementale ainsi que pour votre ardeur bien reconnue au travail. Je voudrais également saluer tous les efforts consentis par chaque membre du gouvernement en vue de mettre en œuvre sa part du programme de travail gouvernemental. Aujourd'hui, nos compatriotes peuvent constater toutes les avancées notables réalisées, que ce soit en matière de paix et de sécurité, de cohésion sociale et de réconciliation nationale, ainsi qu'en matière de relance économique et de reconstruction post-crise. Comme le disait Gus Bonsens, même les aveugles voient ce que vous faites, Monsieur le Premier ministre. Félicitations à vous. Nous ne sommes certainement pas à l'heure du bilan de nos actions, mais nos concitoyens constatent que beaucoup de choses ont été faites dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. Je voudrais signaler que je regarde l'évolution des prix des denrées alimentaires, que ce soit les oignons, les tomates, les ignames, et je vois que dans tous ces éléments, nous avons tout de même une amélioration, sans compter les décisions qui ont été prises pour améliorer les conditions de vie donc, du monde paysan et les salaires de la fonction publique, le relèvement également du SMIC. Ces acquis ne devront pas occulter les défis restants encore à relever par le gouvernement. Le défi le plus important étant de transformer la croissance économique en développement humain durable. Nous devons permettre à tous les ménages
de ressentir davantage les retombées des efforts déployés et qui ont conduit à une forte croissance économique. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous exhorter tous, vous-même et les membres de votre gouvernement, à maintenir le cap et à poursuivre vos efforts. Vous faites déjà beaucoup et je sais que vous continuerez. Le programme d'action gouvernementale devra donc contribuer à consolider ou à achever tous les chantiers ouverts par vos départements ministériels respectifs. Au regard de notre ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, et en raison des attentes de nos concitoyens, chacun d'entre nous doit se sentir investi d'une obligation de résultat. Le président de la République, Alassane Ouattara, a renouvelé sa confiance au gouvernement avant d'inviter tous les membres du gouvernement à redoubler d'efforts pour faire de la Côte d'Ivoire une nation moderne. Après l'ouverture du séminaire gouvernemental, le président de la République a accordé une audience au Premier ministre du Cap-Vert, José María Pereira Neves, en visite d'amitié et de travail. Le compte-rendu de Viviane Anima. En visite de travail dans l'optique du renforcement des relations économiques entre son pays et la Côte d'Ivoire, José María Pereira Neves, Premier ministre de Cabo Verde, anciennement Cap-Vert, a été reçu au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Le premier ministre cabo-verdien a expliqué au chef de l'État ivoirien la volonté de son gouvernement de tisser avec la Côte d'Ivoire des relations dans plusieurs secteurs de l'économie. J'ai profité de l'occasion pour féliciter M. le président. Il a fait un très beau travail à la tête de CEDEAO. Maintenant, CEDEAO a un grand prestige. J'ai demandé, Monsieur le Président, pour soutenir Cap-Vert dans le processus d'intégration régionale, mais aussi pour renforcer les relations d'amitié et de coopération, surtout dans les domaines économiques et entrepreneurial entre Cap-Vert et Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est un pays leader, un pays moteur de la croissance économique et sociale de la région d'Afrique d'Ouest et nous devons continuer à travailler sur la leadership de M. le Président pour que l'intégration soit faite avec beaucoup de succès. Cette volonté de coopération a d'ailleurs été concrétisé au cours de cette visite de travail par la signature de plusieurs accords de coopération, dont la création d'une grande commission mixte de coopération entre la République de Cabo-Verde et la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre du Cap-Vert a également échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume. Plusieurs sujets d'actualité ont été examinés au cours de cette rencontre et un accent particulier a été mis sur la coopération entre les deux parlements des deux pays. Des précisions avec Victorine Yao Yoboué. Le Premier ministre cap-verdien José María Neves, accueilli aux environs de 11h par le président de l'Assemblée nationale. 30 minutes d'échange, le temps pour Guillaume Kibafori Soro et son hôte de partager leur point de vue sur la place du Parlement dans un État qui se veut démocratique. Je suis un ancien député et maintenant je suis au gouvernement, mais je sais que les débats essentiels dans le cadre de la démocratie et de l'état des droits démocratiques se déroulent ici au Parlement. Et le Parlement a un rôle très important dans le processus de réconciliation nationale et la croissance économique et le développement humain de Côte d'Ivoire. Nous avons eu des échanges, stratégiques importants pour le renforcement de la coopération entre nos deux pays et par-delà aussi. Nous allons, en tout cas en ce qui concerne l'Assemblée nationale, donc prendre contact avec le Parlement de Cabo-Verde pour essayer d'établir des relations d'amitié et de fraternité.
Tisser une toile entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et les autres parlements d'Afrique, ainsi que ceux du reste du monde, telle est la volonté de Guillaume Kibwafori-Soro. La diplomatie parlementaire, comme l'appelle le président de l'Assemblée nationale, est selon lui un instrument de rapprochement des peuples, mais surtout de développement. Programme chargé pour le Premier ministre du Cap-Vert. Il était ce matin au port autonome d'Abidjan. José Maria Pereira, accompagné d'une forte délégation, y était pour se faire une idée précise de l'organisation et du fonctionnement des activités maritimes et portuaires de la Côte d'Ivoire. Il a été également question de nouer des relations de coopération avec le port autonome d'Abidjan. José Maria Pereira a ensuite visité une usine de transformation de café de cacao et une conserve de thon. L'objectif étant de découvrir l'expertise de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le tunnel de l'échangeur de la Riviera 2 dans la commune de Cocody est ouvert à la circulation depuis ce matin. Les travaux de construction de cet échangeur sont exécutés à plus de 90%. Le constat a été fait ce matin par le chef du gouvernement ivoirien en présence de notre reporter Hugues Hervé Blé. Depuis dimanche minuit, le passage intérieur trémie de l'échangeur de la Riviera 2 est en service. Le trafic habituellement observé sur les contre-allées est reporté sur cette voie que le Premier ministre a eu l'occasion d'emprunter dimanche vers 18h. Sur le chantier où il était présent dimanche dans l'après-midi, le Premier ministre Daniel Kablan-Diacko a pu apprécier l'avancée des travaux. Je pense que les Abidjanais à qui nous présentons des excuses parce qu'il y a eu des désagréments au niveau du travail seront heureux une fois que ces travaux-là seront donc terminés et pourront donc utiliser ça pour arriver rapidement à leur lieu de travail. Je pense qu'on a un résultat quand même de qualité, avec des éclairages qui sont faits non pas seulement au niveau de la trémie, mais aussi donc au niveau des contre-allées. Je crois que c'est quelque chose donc d'important. Ce sont des éléments que les gens ont venu visiter, hein. Pas seulement les Abidjanais, mais ceux qui viennent de l'intérieur, et pourquoi pas des autres pays. Et je crois que ça, c'est une fierté pour nous tous. La fermeture à la circulation des contre-allées permettra une avancée notable du chantier. Ce qui reste à faire, le Premier ministre a pu se le faire expliquer. Daniel Kablan-Diacko s'est rendu compte que les trois ponts sont en voie d'achèvement et que tout est mis en œuvre pour que soit achevé dans le délai imparti l'ensemble des travaux. Tout concourt à faire en sorte que cet ouvrage est un ouvrage de qualité. J'ai juste fait une petite observation tout à l'heure. C'est l'utilisation donc d'une partie peut-être l'espace pour la circulation donc des motos et des vélos. Je pense qu'ils ont indiqué qu'il y a suffisamment de place, ils vont réfléchir dessus. Mais je pense qu'on voit que le paysage donc, d'Abidjan change et change très vite. J'ai noté qu'ici, la livraison peut se faire à la fin du mois d'avril, qui n'est pas loin, ce n'est pas un poisson d'avril, hein, j'ai cru comprendre. Le gouvernement se veut rassurant. Les travaux entrepris au carrefour de la Riviera 2 s'inscrivent dans toute une série. Nous déjà, on n'a plus le regard sur le carrefour de la Riviera 2. On est déjà sur la Palmeraie, on est déjà sur le carrefour, disons, Orca, 9 kilos, comme certains l'appellent. Pratiquement tous les quartiers ont été passés en revue en termes de congestion de la circulation et en termes de travaux à faire pour pouvoir décongestionner. Les travaux de l'échangeur de la Riviera 2 sont estimés à un peu plus de 6 milliards de francs CFA. Ils sont réalisés depuis août 2013 dans le cadre du projet d'urgence d'infrastructure urbaine, PUU, financé par la Banque mondiale. Dans cette dernière étape des travaux, les tâches à exécuter s'articulent autour de l'achèvement des dalles de transition des ouvrages. Un peu plus d'informations avec notre reporter Christelle Mudan. Ce lundi 31 mars, les usagers du boulevard Mitterrand à la Riviera n'ont pas eu à s'inquiéter des embouteillages d'heures de pointe. Au niveau de l'échangeur de la Riviera 2, aucun compteur de vitesse n'affichait moins de 40 km à l'heure. Et pour cause, le passage inférieur est désormais ouvert à la circulation pour le plus grand bonheur des automobilistes de cette zone. Depuis ce matin, depuis qu'ils ont ouvert, il n'y a pas d'embouteillage, donc c'est, la circulation est bien. Avant, quand ce n'était pas ouvert, donc pour venir vers ici, là, ça ne nous plaisait pas, on ne venait pas beaucoup. C'est maintenant que c'est ouvert, on peut venir, puis on roule bien, il n'y a pas de problème. Des travaux initiés depuis novembre 2011 sont en voie d'être achevés. Encore quelques détails à mettre au point. Et les voies supérieures pourront aussi être utilisées. Le reste des travaux, il s'agit des pavés aussi, il y a des travaux de marquage aussi, des panneaux de signalisation. Au niveau de rond-point aussi, il y a du bitume à faire, il y a des terrassements à réaliser. Un bémol à noter néanmoins, des riverains qui traversent la chaussée en enjambant les séparateurs béton juste à la sortie du passage inférieur.
Et ceci, malgré le pont piéton prévu environ 50 mètres plus loin. C'était Christelle Ménant. Les camions poids lourds qui stationnent de façon anarchique dans la commune de Trècheville sont dans le viseur des autorités municipales. Et selon ces autorités, ces camions sont à l'origine des embouteillages constatés aux heures de pointe. Après un mois de sensibilisation des propriétaires de ces camions gênants, la phase de répression a commencé ce lundi en présence de notre reporter Herman Niamien. Aucun camion poids lourd ne doit stationner encore pendant des heures dans les rues de Trècheville. C'est une décision du conseil municipal. Selon les responsables de la mairie, ces camions sont à l'origine de nombreux embouteillages dans la commune. La situation est devenue alarmante quand on voit le nombre de véhicules qui finalement fait de Trècheville une commune de stationnement. Jérôme Maïssi souligne que les concernés ont été sensibilisés pendant plus d'un mois. D'ailleurs, ajoute-t-il, tous ont reçu des mises en demeure il y a deux semaines. L'opération de dégapissement des trottoirs se fait en collaboration avec la société abidjanaise de dépannage qui a d'ailleurs commencé à traquer les occupants illégaux. Autre phénomène que la municipalité n'entend pas laisser se développer, les véhicules de transport en commun, communément appelés Gbaka. Ces véhicules interdits d'activité dans la commune commencent tout doucement à s'y installer durablement. Je vous l'annonçais dans les titres, les agents recenseurs sont sur le terrain. Ils ont reçu l'équipement nécessaire pour accomplir leur mission auprès de la population. Le top départ du recensement général de la population et de l'habitat a été donné ce matin dans le district d'Abidjan. Le témoignage de Serge Colléa. L'opération du recensement général de la population et de l'habitat rentre dans sa phase active. La commune de Cocody donne le ton. 497 agents ont été déployés sur le terrain, munis chacun d'un dossier cartographique. Objectif pour chaque agent recenseur, faire la reconnaissance de sa zone de dénombrement, comprenant environ 1200 ménages. Cette étape consiste à numéroter les bâtiments, les logements, avant le recensement véritable des populations. Pour le responsable du recensement général de la population et de l'habitat dans la région abidjanaise, les populations vivant en Côte d'Ivoire doivent prendre toutes les dispositions pour participer à cette opération qui se fera de façon électronique sur toute l'étendue du territoire national. Le démarrage effectif du recensement général de la population et de l'habitat après la campagne de sensibilisation a eu lieu simultanément dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Pendant un mois, les agents recenseurs vont sillonner chacun une zone de dénombrement pour faire ressortir à terme des données statistiques fiables sur la population et l'habitat. La 26e promotion de l'école d'état-major national de Koulikoro, c'est au Mali, a été baptisée du nom du président ivoirien Alassane Ouattara. Ces officiers stagiaires venus du Mali sont en Côte d'Ivoire. Dans le cadre d'un stage pratique, ce voyage d'études leur permettra de connaître, de comprendre l'organisation de l'outil de défense utilisé par la Côte d'Ivoire, nous dit notre reporter Abou Sanogo. Ils sont 20, ces officiers stagiaires de la 26e promotion de l'école d'état-major national de Koulikoro, nommée promotion Alassane Ouattara, accompagnés de 6 de leurs encadreurs, parmi lesquels le lieutenant-colonel Daoud Ali Mohamedine, commandant la dite école, venu s'imprégner de l'organisation de l'outil de défense du Côte d'Ivoire. La délégation, qui a déjà eu des séances de travail dans plusieurs structures de l'outil de défense ivoirien, a été reçue par le directeur de cabinet civil et militaire, Aonzo Alexis, qui, au nom du ministre en charge de la défense, Paul Kofi Kofi, a salué le choix de la Côte d'Ivoire pour ce voyage d'études, signe de la vitalité des liens séculaires qui unissent la Côte d'Ivoire et le Mali, avant de présenter à ses hôtes du jour le département de la défense dans toutes ses composantes. Le commandant de l'école d'état-major national de Koulikoro s'est réjoui de la chaleur de l'accueil dont la délégation qu'il conduit fait l'objet depuis son arrivée en Côte d'Ivoire. Il a ensuite exprimé sa gratitude aux autorités, en particulier au président de la République Alassane Ouattara, qui a accepté d'être le parrain de cette promotion. La promotion Alassane Ouattara est composée de 12 officiers maliens et 8 officiers des pays frères, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Niger et la Guinée. Il faut au minimum 1 milliard de francs CFA pour financer les activités des parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Alors question, où trouver cette enveloppe?
La fondation, qui est à la recherche de ce financement, a tendu la main au secteur privé et aux opérateurs spécialisés dans le domaine de la conservation des aires protégées. 1 milliard de francs CFA pour la gestion des parcs et réserves et pour la sauvegarde du patrimoine forestier ivoirien en général. Doigt de laser. C'est le visage des parcs et réserves en période de sécheresse dans le nord de la Côte d'Ivoire. Des centaines d'hectares de forêt du parc national de la Koumoué dans le département de Bouna, ravagés chaque année par les feux de brousse. Pour sauver le patrimoine forestier ivoirien, la Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire entend s'appuyer sur la contribution des opérateurs économiques nationaux et des bailleurs de fonds internationaux. Mettre en place des fonds pérennes, c'est-à-dire qu'une fois placés, ces fonds génèrent des revenus qui sont remis à l'Office ivoirien des parcs et réserves de manière continuelle. Si nous arrivons à mobiliser à peu près 1,5 milliard auprès donc du secteur privé de la Côte d'Ivoire, ce serait quand même important. Un petit déjeuner de débat est donc organisé pour favoriser le cadre d'échange entre secteur privé et acteurs de conservation des aires protégées en vue de la collecte de fonds pour la gestion des parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Du fait de la présence du parc national de Taï, par exemple, d'un parc, du parc national de la Komoué, du parc national du Banco, vous voyez qu'il y a une forte pluviométrie qui se met en place. Donc ça induit immédiatement une bonne productivité et ça permet aux grandes entreprises, aux grandes industries de s'installer dans ces secteurs-là. Et ça crée des emplois pour les populations. Il est normal que nous, opérateurs, qui voulons que nos parcs nationaux et nos réserves soient sauvegardés, que nous puissions apporter notre contribution. La Suisse va rester un des partenaires, ensemble avec d'autres pays européens, de l'Office ivoirien des parcs et réserves et de sa fondation. En 2014, l'objectif de la Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire est de mobiliser plus d'1 milliard de francs CFA pour le financement des coûts d'entretien du parc national de Taï et pour faire face aux dettes contractées au profit du parc national de la Komoué. Comme tous les lundis, le grand format de la rédaction, grand format consacré ce lundi au processus de production et de commercialisation du beurre de karité. Les acteurs de ce secteur d'activité, les femmes en général, sont confrontées à un certain nombre de difficultés qu'elles ont présentées à Alvor Assa, notre reporter, sur place à Ferke-Sédougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le karité est un arbre de l'Afrique tropicale dont les graines fournissent une matière grasse. Le beurre de karité. Il est d'usage culinaire et cosmétique. En Côte d'Ivoire, le karité pousse dans le nord du pays. Et ses fruits permettent de produire le beurre de karité qui aujourd'hui est une véritable activité commerciale. D'abord traditionnelle, mais elle se modernise et se professionnalise de plus en plus à l'image des femmes de Ferke-Sédougou, ville située au nord de la Côte d'Ivoire. Ces femmes appartiennent au groupement Womenyon qui signifie en senufo, langue locale, la réussite de toutes choses. Ces femmes se rendent régulièrement en brousse pour le ramassage des fruits mûrs du karité. Les dépulpent, les font cuire, les sèchent sur des surfaces propres, les décortiquent. Elles les trient pour retirer les mauvaises noix et les impuretés. Les noix séchées sont stockées dans des sacs, dans des endroits aérés et secs. Et de là va commencer le processus de transformation pour obtenir le beurre de karité. Après le stockage, on les refait sortir. Avant de les faire sortir, on les pèse. On les pèse, on vient les laver, on les fait sécher. On ramasse, on va dans la maison de l'unité de transformation. On va peser avant de passer à la torréfaction. On grille les amandes. Le torréfacteur maintenant, on passe à la presse. De la presse maintenant, on fait passer ça dans le tamiseur vibreur. Après le tamiseur vibreur, on envoie ça au fil presse maintenant. Du fil presse maintenant, on retient le produit fini, qui est le beurre de karité, qui est en liquide. 2 ou 3 jours, ça se solidifie, ça devient du beurre de karité. Pour soutenir ces femmes, toute une stratégie est mise en place, mais elle n'est pas suffisante. Pour que ces femmes puissent s'en sortir, on est en train de chercher sur le marché au niveau d'Abidjan pour commercialiser ce beurre de karité. Parce que l'année dernière, on avait fait au moins 12 tonnes de beurre. On était obligé de le vendre comme ça avec les artisanales sur place, ceux qui viennent acheter pour aller au Mali, un peu en Côte d'Ivoire. Sinon, le maximum est aller au Mali. Mais on l'a vendu à un prix pas rentable. Le problème que nous avons actuellement, c'est le problème du conditionnement. On nous demande de trouver des fûts de 40 à 50 kilos.
Et c'est ce qui est difficile à trouver sur le marché. Toutefois, le beurre de karité est très apprécié par les femmes. Ça, un beurre de karité, je mets pour moi-même. Quand tu veux même manger quelque chose là, il faut faire un beurre de karité. Là, il y a goût dessus. On met dans les cheveux, on pommade les enfants, le nouveau-né. Il est même utilisé dans la constitution de plusieurs produits pharmaceutiques. Le beurre de karité présente dans sa composition la vitamine A, la vitamine E, la vitamine F, de l'acide gras essentiel et contient en majorité des acides oléiques à 40-60% et utilisé donc pour donner à la peau des propriétés physiques particulières telles que l'élasticité et aussi la viscosité. On va utiliser le beurre de karité par exemple dans les produits cosmétiques pour les soins donc du visage et du corps. On l'utilise aussi pour les soins de cheveux. On va utiliser aussi le beurre de karité chez la femme enceinte, par exemple, pour la fermeté donc, de sa peau, assouplir également la peau et lutter contre les vergetures. Après l'accouchement, on utilise aussi le beurre de karité dans les soins du bébé. Il y a le soin que le beurre de karité peut apporter, par exemple, chez les sportifs, pour faire des massages doux. La production, la transformation et la commercialisation du beurre de karité en Côte d'Ivoire pourrait constituer une belle activité capable d'absorber une main-d'œuvre importante et permanente et de nourrir plusieurs familles ivoiriennes. Voilà, c'était le grand format de la rédaction proposé par Alvor Assar. Toujours pas de remède contre la fièvre Ebola. 10 jours après l'annonce officielle de l'épidémie, eh bien, le président guinéen est sorti de son silence. Alpha Condé a présenté ses condoléances aux familles éplorées et a demandé à la population de ne surtout pas paniquer. Rappelons que depuis le mois de janvier, il y a eu 122 cas déclarés et 78 morts. Voilà. En France, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a été nommé Premier ministre. Il succède ainsi à Jean-Marc Ayrault, une nomination confirmée par le président français François Hollande. Nous l'écoutons. Il est temps néanmoins d'ouvrir aujourd'hui une nouvelle étape. Et j'ai donc confié à Manuel Valls la mission de conduire le gouvernement de la France. Il en a des qualités. Ce sera une équipe resserrée, cohérente et soudée. Comment dire ? Un gouvernement de combat. Voilà, un gouvernement de combat sur un maniement gouvernemental intervient donc après la déroute des socialistes aux élections municipales. Nous vous proposons le portrait du nouveau Premier ministre français. C'est officiel, Jean-Marc Ayrault n'est plus chef du gouvernement français. Il est remplacé par Manuel Valls, l'ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement Ayrault. Le favori des sondages avec 31% des Français qui le souhaitaient Premier ministre. La débâcle du Parti socialiste lors des élections municipales a coûté le fauteuil de l'homme qui aura passé 22 mois à Matignon. Le Parti socialiste n'a pu résister à la vague bleue. Il a perdu 155 villes, soit 40,57% des voix, contre 45,91% pour la droite. Manuel Valls est fils d'immigrés né en 1962 à Catalogne. Devenu français 20 ans plus tard, le nouveau Premier ministre est connu pour ses convictions anti-totalitarisme. Manuel Valls débute la politique en s'affichant social-démocrate, ensuite jospéniste avant d'être un fervent défenseur de François Hollande. Jusqu'où ira Manuel Valls? Certains spécialistes le soupçonnent de viser l'Élysée. Mais avant, sa mission durant le reste du quinquennat de François Hollande, c'est d'apporter des réponses aux préoccupations des Français, notamment la question de la justice sociale, la baisse de l'impôt et enfin l'éducation et la formation de la jeunesse. Manuel Valls doit former un nouveau gouvernement dans les prochains jours, un gouvernement resserré, selon le président français François Hollande. Voilà, c'est la fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1 et portez-vous bien.